Salut tout le monde, on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Aujourd'hui, ce sera une vidéo back to school où je vais vous montrer mes affaires scolaires. Alors, je fais ça que maintenant parce que je voulais pas vous embêter pendant les vacances avec les fournitures parce qu'on n'a pas forcément envie de penser à la rentrée pendant les vacances. Alors, je vais commencer tout de suite. Alors, d'abord, j'ai un classeur comme celui-là, comme ça. Après, j'en ai un comme ça. Après, j'en ai un transparent bleu comme celui-là, de la marque Hexaconta. Ah oui, et j'ai fait mes fournitures à Carrefour. Après, j'ai deux porte-vue comme ça, bleu et vert. Après, j'ai une pochette comme ça, des kits Genesis, que j'ai acheté l'année dernière. Après, j'ai 5 cahiers à grands carreaux comme ça. Ça fait, ben, c'est les cahiers que quand tu frottes, ça fait ça. Voilà. Comme ça. Après, j'en ai deux à petits carreaux transparents pour les maths. Après, j'ai des feuilles de canson, le truc classique. Après, j'ai des feuilles transparentes, comme ça. Après, des feuilles classiques, des copies doubles et des copies simples. Après, j'ai deux petits cahiers, comme ça. Je ne sais pas encore lequel sera mon cahier court pour les maths ou mon cahier de brouillon. J'ai des... Un crayon couleur feutre bic comme ça. Après, j'ai des crayons couleur comme ça. Après, j'ai des colles comme ça que j'ai déjà ouvert. Mais je pense que ça va pas me suffire, alors je vais m'en racheter pendant l'année. Après, j'ai des crayons 2B comme ça. Et 2H. Après, j'ai des crayons HB classiques comme ça, Bic. Après, j'ai une gomme qui roule comme ça. J'ai un stylo plume. Un stylo comme celui-là. Un compas. Un taille crayon comme ça. Des ciseaux, on appelle bah, ceux que l'on peut faire comme ça. Et qu'on peut gommer avec aussi. Après, j'ai acheté un lot de 4 stylos billes Bic. Avec deux en métal et deux normales. Après, j'ai des fluos comme cela. Après, j'ai deux paquets de feuilles, enfin d'autocollants pour les cahiers. Et j'ai un stylo bleu comme ça avec verso écrit dessus, parce que oui, bah, je suis verso. Et un autre comme celui-là avec mon prénom écrit dessus, mais ça s'est un petit peu effacé. Et j'en ai un autre comme celui-là. Avec une phrase en espagnol écrite dessus. Attends. J'ai un cartable comme ça, de la marque. Ispac avec une grande poche et une petite, bah, le classique, enfin le classique je crois c'est le noir mais voilà. Après j'ai une trousse comme celle-là de la marque Roxy. Après j'ai une trousse comme celle-là. Et après j'ai une trousse comme ça pour mes stylos avec trois poches. Et je termine avec, je crois, le meilleur.
mon agenda, qui est celui d'une petite Jajou, qui est vraiment trop beau. Alors, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Et j'espère que j'aurai parlé assez fort parce que je crois que je parle pas assez fort. Alors dites-moi si ça vous a plu. Et je ferai une autre vidéo back to school où je ferai le jour et la veille de la rentrée. Alors, bye!